Jonathan, très bon match du STVV contre le Standard. Donc déjà en première mi-temps, vous marquez deux buts très rapidement. Est-ce que c'était un peu les consignes du coach ? Non, clairement. Voilà, c'était le but, c'était de ne pas prendre de goal rapidement dans le match et de gagner du temps, mais le temps allait jouer contre nous, avec nous, vu que voilà, c'est une équipe qui est en manque de confiance. Et je pense qu'on a très très bien commencé le match, c'est ce qui nous a mis dans de bonnes dispositions pour la suite. Et puis ensuite, en deuxième mi-temps, il y a le carton rouge de Maxime qui fait que l'équipe est à 10 contre 11. Est-ce que c'était un peu difficile pour vous de devoir jouer ? Clairement, parce que voilà, à ce moment du match, on contrôlait encore le match, on était très bien dans le match. Et le fait qu'on soit à 10, ben, ça nous a un peu mis en difficulté. Mais bon, après, l'équipe a montré énormément de sacrifices et d'organisation, en partant de Dan jusqu'à Nazon. Et donc, je pense que c'est vraiment on a été la chercher à l'arrache la victoire. Et ça montre que voilà, on travaille en équipe, on montre beaucoup d'envie et de sacrifices. Là, ça fait 6 sur 6. Ça fait du bien pour le moral ? Clairement, ça fait du bien. On a eu des mois difficiles. Ici, voilà, on commence à sortir la tête de l'eau, mais c'est pas fini. Il faut continuer comme ça et rester sur la même longueur. Le prochain match, c'est mardi. Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage, tu penses ? Ben, on est en confiance, mais bon, voilà, il faut pas non plus prendre trop de confiance. Il faut continuer comme on est, continuer à travailler comme on le fait. Et je pense que on va se battre pour en tout cas faire un bon résultat à la maison contre Berchtesgaden.